Ce sont des lames d'acier chromé de 11 mm d'épaisseur et de près de 32 mm de large. Elles constituent un piétement en X, signe distinctif du siège Barcelona, dessiné par l'architecte Mies van der Rohe en 1929. La structure est constituée des deux X, reliés par trois barres transversales. Les deux premières définissent le cadre de l'assise. L'une placée au milieu de l'arc détermine l'arrière. L'autre, placée à l'avant, détermine l'accueil. La troisième barre complète la structure en formant le dossier. Quoi de plus simple à première vue que ces X et le volume cubique dans lequel ils s'inscrivent? La mise en relief de l'ossature est un langage nouveau pour l'époque. La structure est apparente et semble dévoiler le secret de sa construction. En réalité, soudures et visseries sont invisibles. Les jointures sont cachées par les lanières sur lesquelles reposeront les éléments de confort. Tendues sur le cadre, ces sangles de cuir, 9 pour l'assise et 8 pour le dossier, complètent le châssis sur lequel reposeront les deux coussins de cuir capitonnés. La teinte des sangles est assortie, de sorte qu'elle passe presque inaperçue. S'élevant du sol pour former le dossier, un premier ruban d'acier décrit un quart de cercle. Ce cercle a pour rayon le côté du carré dans lequel s'inscrit la chaise. Le rayon constitue le diamètre d'un cercle décrit par le piétement arrière. Un troisième cercle, identique au premier, détermine l'assise. Mais tout d'abord, une chaise, pourquoi faire? Car près de la moitié des habitants de la planète s'en passaient très bien. Ils se reposaient, travaillaient, mangeaient, sans avoir besoin de s'asseoir sur une chaise. C'est non pas assis, mais debout sur une jambe que le berger Maasai trouvait le repos, une pratique remontant au néolithique. Les premières représentations d'hommes assis sur des chaises sont des femmes. Elles témoignent d'une civilisation matriarcale où les femmes investies de pouvoir ont le privilège de s'asseoir sur des chaises. À quelques 12 000 ans d'écart, la chaise Barcelona est à nouveau symbole de statut social. Mais il y a différentes façons de s'asseoir sur une chaise. Assis droit, le dignitaire exprime la discipline à laquelle son pouvoir lui-même l'astreint. À l'inverse, la souplesse de la ligne de l'élégant clismos de l'élite grecque est l'expression antique d'une posture alanguie.
les courbes des pieds et du dossier invitent à la grâce et à la détente. Sauf anomalie, aujourd'hui tout le monde peut s'asseoir sur une chaise, alors que rares sont les privilégiés susceptibles d'être portés. On pense alors au palanquin, ce siège trône à porteur, glissant comme en lévitation. Suspendu dans les airs, les genoux vacillants au bord d'un porte-à-faux aérien, roi d'un jour sur un palanquin des temps modernes. It's a classic piece of furniture. It was the modern idea, it was the modern throne. Very simple slab of the leather seat in the front and the back on an X-form base that looks back to Schinkel, who was very important to Mies in terms of overall architecture. That's where the X-form comes from, that cast iron chair that he did. And then very simple, a horizontal and a vertical, and a place, slight inclination so that the chair sweeps the person forward. It actually frames them, right? So that the chair is also, in a sense, if you see Mies seated here right now, you see a little bit of chair on the left, and you see a little bit of chair on the right, and then I'm centered in the chair. So it's about pushing me forward and presenting me. Mies van der Rohe admire Carl Friedrich Schinkel, peintre, architecte et décorateur néoclassique prussien. Un siècle plus tard, Mies emprunte à son tour le piétement en X de la cella curulis des dignitaires romains, tout comme Schinkel l'avait fait pour ses chaises de jardin, qui portent la marque de l'autorité du souverain avec leur piétement en X. Car avant de devenir une icône du matériel de camping, le piétement en X est un attribut de pouvoir, déjà présent sous Toutankhamon, puis chez les Romains. Il connaît un regain d'intérêt au Moyen-Âge, à la Renaissance, puis sous l'Empire. Pour sa version non pliante, Mies détourne des barres d'acier standard utilisées dans la construction, auxquelles il donne une finition chromée pour un aspect luxueux et solennel. Cela devait être monumental, dit l'architecte. On ne pouvait tout de même pas se servir d'une chaise de cuisine. La chaise devait meubler le pavillon de représentation de la République de Weimar, commandé à Mies pour l'exposition universelle de Barcelone. Le roi et la reine d'Espagne devaient l'inaugurer en grande pompe le 27 mai 1929. À la demande du gouvernement allemand, ce pavillon devait exprimer Weimar dans toute sa clarté, sa simplicité, son authenticité. You know, when I got a job from the government, they said, told me, we need a pavilion. They said, what? What do you mean by a pavilion? She said, I don't know. We have so much money for it, build it. Tout de verre, de marbre et d'onyx, l'ouvrage allie le luxe au dépouillement, à la libre circulation. Dans cet environnement, Mies donne à son siège une disposition axiale qui confère à l'objet toute sa prestance. Il y a un air qui passe et un cuir qui s'impose. Donc on est là dans un statut ambigu où l'air fait glisser et où le cuir repose. Et c'est là tout le travail de Mies qui est précisément de simplement constituer des intervalles dans l'espace. On n'est jamais définitivement là. On est toujours en train de passer, en train de glisser, en train de se poser la question de la place de l'homme
dans cette situation ambiguë entre dehors et dedans. Mais, de toute façon, il n'est pas fait pour s'asseoir. Le roi et la reine passent. Ce sont des fauteuils d'apparat. Et ces fauteuils, au fond, ce sont des danseuses, c'est un bal. Je devais dessiner et Miss décidait, raconte le chef de projet de l'agence de Miss. Le premier siège du pavillon avait été le tabouret. À quelques jours de l'inauguration, il s'agissait maintenant d'ajouter un dossier. Un détail retient l'attention. Des accents d'une main rapide, probablement celle de Miss, garnissent l'intersection. Sans fonction mécanique, il donne tout son caractère au X. Passé au rayon X, les intersections des premières séries montrent des segments encastrés ou bien soudés. Le fabricant pouvait faire comme il l'entendait pourvu que le dessin soit respecté. Aujourd'hui, les deux segments sont soudés non plus côte à côte, mais l'un sur l'autre. En ces années 20, L. Lissitzky multiplie ses X constructivistes. Ce sont des pro-UN, acronyme russe de Projet pour l'affirmation du nouveau. Pro-UN, qu'il appelle encore station de correspondance entre la peinture et l'architecture, et qu'il inscrit dans un projet artistique inédit. De reproducteur, l'artiste est devenu constructeur d'un nouvel univers d'objets, proclame-t-il. Un goût pour les formes simples, l'espace, la lumière, que L. Lissitzky partage avec les autres avant-gardistes du groupe G, actif à Berlin. Miss van den Rohe, Werner Greif, Hans Richter. Signe particulier, porte-à-faux. Lorsque les sièges de Miss entrent dans l'espace décloisonné moderne, les maîtres du Bauhaus rivalisent d'ingéniosité pour débarrasser la chaise de ses quatre pieds. Mart Stam, le premier, lance ses structures en tuyaux de gaz. Puis, selon la légende, Marcel Breuer récupère des guidons de vélo pour créer sa fameuse Vassili. Débarrassé du superflu, l'objet s'efface comme par magie. Bientôt, on pourra s'asseoir sur l'air, comme le rêvait Breuer dans son photomontage. Avec la chaise du pavillon, Miss apporte une nouvelle variante. Un piétement en acier plat cintré et un porte-à-faux à l'avant. Mon idée, dit Miss, était d'utiliser l'élasticité relative de l'acier. Ce qu'il venait d'expérimenter avec une chaise en acier tubulaire, présentée la première fois dans les salons professionnels de Stuttgart et Berlin en 1927. Démunie de pieds arrière, l'assise, en suspension, devient élastique. Seule la résistance du matériau assure le soutien de l'utilisateur. Une idée intervient alors. Et si ce léger ressort pouvait se substituer au confort du rembourrage? Or, l'acier plat se révéla décevant. La chaise du pavillon n'avait pas assez de ressorts. L'année suivante, Miss dessinera un nouveau piétement pour donner plus d'élasticité à la structure en acier plat.
De 1927 à 1931, Miss décline toute une gamme de sièges en porte-à-faux. Un personnage clé resté dans l'ombre est aux commandes, qui décide des matières, des couleurs, des éléments de confort. Conseillère artistique, conseillère en communication et compagne, la contribution de Lily Reich est décisive. Le divan, inspiré de la Barcelona, pourrait bien être de sa création. Beim Barcelona-Sessel haben wir gar keinen Hinweis, dass sie das getan hat. Man vermutet ja schon mal, dass diese Nähte und diese Knöpfe aufgrund ihrer textilen Erfahrung von ihr kommen, aber dafür gibt es eigentlich keinen konkreten Hinweis, zumindest kenne ich im Augenblick keinen. Anders verhält es sich beim Daybed, da haben wir mehrere Quellen, die doch darauf hinweisen, dass sie maßgeblich, dass der Entwurf von ihr ist. Sie deklamiert ihn auch als einen Entwurf von ihrer Hand. 32 wird es unter ihrem Namen publiziert und später sagt sie in einem anderen Zusammenhang, als jemand das kopiert hat, sagt er, du kannst meinen Entwurf nicht kopieren. Also wir haben verschiedene Quellen, die schon darauf hinweisen, dass Lily Reich das Daybed zumindest entworfen hat und das Mies später unter seinem Namen weiter produziert hat. Nous sommes à la fin des années 20, au lendemain d'un conflit atrocement meurtrier. Le nouvel ordre capitaliste installe sa modernité, fonctionnelle, rationnelle, mécanique. Mais au cœur de l'agitation de la capitale berlinoise, c'est l'hyperinflation. Le prolétariat est éprouvé, la misère et le chômage gagnent. La fabrication de la chaise du pavillon s'arrête en 1931. En 1938, Miss se résout à quitter le pays, après avoir tenté en vain d'obtenir des commandes officielles de l'Allemagne nazie. Miss arrive aux États-Unis dans une société de bâtisseurs et d'entrepreneurs qui, eux, se relèvent de la récession. À New York, les époux Knoll, conquis par la modernité du mobilier Bauhaus, vont nouer avec Miss des liens étroits, grâce auxquels la Barcelona va renaître en 1948, à échelle industrielle. Florence Knoll impose la Barcelona dans l'univers de l'entreprise. Le siège trône toujours dans les salons classe affaires, moderne depuis 80 ans. As the stylists surround our lives with functional forms of beauty, so they surround themselves in an atmosphere of aesthetic challenge. For the studio of design, parmi les pionniers du secteur du mobilier de bureau haut de gamme, Florence Knoll aura forgé le concept de corporate design, identité visuelle de l'entreprise. And materialize their dreams. Associé à une stratégie de communication des plus innovantes, le directeur artistique Herbert Mather, photographe et graphiste de l'école suisse, créera l'identité graphique de Knoll. Logos, catalogues et publicités stylisées, inspirés par la typographie des constructivistes et par le photomontage. Les créateurs de formes les plus inventifs de leur époque rejoindront le catalogue Knoll. D'origine européenne, ils feront le design américain.
Souvent décriée en son temps, cette avant-garde est aujourd'hui devenue le must de tout loft classieux. C'est en Italie que Knoll trouve de nos jours une sellerie d'excellence. Il faut une journée entière pour une seule chaise. Découpe à l'emporte-pièce des rectangles de cuir, 20 par coussin. Les capitons sont formés à l'aide de boutons recouverts du même cuir. Des passepoils camouflent l'assemblage et renforcent l'aspect net et rectiligne. Fixation des sangles sur les barres transversales au moyen de rivets. De la mousse à haute densité remplace le rembourrage de crin de cheval utilisé autrefois. Pour finir, les pattes d'attache sont insérées dans le coussin d'assise. À la gamme classique et sobre, bordeaux, brun, vert foncé, ivoire, noir, s'ajoute aujourd'hui une gamme de couleurs euphoriques. Cobalt, vert pomme, jaune d'or, vermillon. 900 couleurs sont disponibles. Acier plat. Forme basse de lounge chair. Inclinaison. X. La Barcelona a inspiré de nombreuses interprétations. Tordu, avachi, c'est l'inverse de la Barcelona. En même temps, sangle de cuir, fer plat, c'est presque la même chose, dit Jean Nouvel de sa Milana. Chaise Barcelona empilable et Miss Repetitas. Il n'y a souvent qu'un pas du design à l'œuvre d'art. Le photographe Jeff Wall s'introduit dans les coulisses du pavillon. À l'aube, à l'abri des regards, groupe de chauffeuses et tabourets à la toilette. Bientôt, confié aux bons soins du laveur de vitres, le temple des modernes aura retrouvé son éclat. Alors, comme chaque jour, reprendra une savante chorégraphie orthogonale. Même si l'assise concave fait un pied de nez au lombaire, et si les pieds des plus petits ne touchent pas sol, la Barcelona a désormais acquis une réputation de fauteuil confortable. Le confort se mérite. Après avoir tournaillé en tous sens pour trouver sa place dans la large assise, regard au ciel, à la manière de Miss, grand contemplateur des espaces infinis. You know, in architecture, the proportions is not always the proportion and the things themselves, often the proportion between the things. You know, there's nothing, but still there is a proportion.